La première chanson que je vais vous interpréter s'appelle « Marcher la nuit ». C'est une de mes compositions et elle me tient beaucoup à cœur. Je l'ai écrite pour toutes les personnes et surtout les femmes qui stressent de rentrer le soir. Et j'avais vraiment besoin d'écrire ça parce que c'est insupportable et ça fait du bien de le chanter. Voilà. Merci.
Merci beaucoup. Merci. C'est drôle de chanter des chansons dans un micro avec un public quand je les ai que chantées dans ma petite chambre à Bruxelles. Alors, la prochaine chanson, c'est La conteuse de l'histoire. Donc la chanson du thème imposé Clio, la muse de l'histoire. J'ai un peu étudié cette déesse. Et j'ai décidé d'imaginer comment elle verrait ce que... Enfin, comment on est en train de décrire l'histoire en ce moment. Et ça fait un peu peur. Donc voilà, c'est Clio en 2022. La terre est belle, elle veut continuer à chanter avec sa lyre. Des histoires, des hommes, des femmes, ceux qui n'ont pas tout gâché. Dans 3 ans, c'est terminé si l'histoire n'est pas changée.
Merci beaucoup. Merci. La prochaine chanson, c'est donc une reprise. J'ai choisi Aline de Christophe parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et surtout, depuis l'été dernier, elle me rappelle des bons souvenirs et du coup, j'adore la chanter parce que j'avais eu la chance d'être en vacances en Grèce avec mon amoureux qui est dans la salle. Et, et un soir, on était sur une petite île et on s'est retrouvés dans un bar avec plein d'hommes et de femmes grecs qui chantaient des chants traditionnels. C'était super beau. Et à un moment donné, j'ai eu la chance qu'on me tende une guitare et qu'on me dise « Ah, mais t'es française, est-ce que tu connais Christophe? Est-ce que tu peux nous chanter Aline? C'est notre chanson préférée en français. » Donc moi, j'étais trop contente parce que c'était la seule que je connaissais de Christophe. Et du coup, j'ai pu faire un peu la star dans un petit port en Grèce. C'était super. Et voilà, j'étais avec plein de Grecs qui chantaient Aline avec moi. Et maintenant, je peux la chanter à Lillebonne et je trouve ça hyper cool. Du coup, c'est Aline de Christophe. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait, puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Merci beaucoup. C'est déjà la dernière chanson. Alors, c'est mon deuxième thème imposé, qui est Jardin, qui m'a assez fait rire au début parce que à la première édition du coup, à la première partie de ce super concours, j'ai chanté une chanson qui s'appelle Jardin secret. Et après, j'ai pioché Jardin. Je me suis dit, bon, comment faire ? Donc j'ai un peu fait un jardin secret, partie 2, que j'ai appelé « Pensées », comme les fleurs, les pensées. Et en fait, c'est un thème qui m'a assez inspirée parce qu'en France, donc en Bretagne, je vais souvent chez mes grands-parents et ils ont un super jardin. Et je suis super proche de mes grands-parents, je les adore.
Et c'est là-bas que je suis le plus inspirée pour écrire. Bon, là, j'étais à Bruxelles, c'était super, mais bon, comme ça, je pouvais penser à leur jardin et ça m'a beaucoup aidée. Donc voilà, c'est pour mes grands-parents. Maintenant que j'habite loin, je repense à ce beau jardin. J'aimerais y retourner, dans mes rêves voyager. Quand elle m'appelle, elle me parle de ses peines. Elle a semé toutes ses jolies pensées. Quand il m'appelle, il me parle de ses peines comme des fleurs fanées, celles qui sont fatiguées. Leur vie dans ce jardin. Merci beaucoup.